Après l'annonce des arbitrages du gouvernement sur la future réforme des retraites le 27 août dernier, la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine a également évoqué la création d'une aide financière pour le rachat des années d'études. 1000 euros par trimestre seraient ainsi offerts à ceux qui souhaiteraient racheter jusqu'à 4 trimestres, soit un an d'études supérieures. Une mesure qui ne satisfait pas pour autant les syndicats étudiants. Réunis autour d'un collectif intitulé « La retraite, une affaire de jeunes », ils estiment que le dispositif n'est pas applicable en l'état. Ça part peut-être d'une bonne intention, le fait de permettre aux jeunes de capitaliser sur leurs années d'études. Malheureusement, c'est un dispositif qui aujourd'hui est inopérant. Quand on regarde un petit peu ce que représente cette aide, il faudrait pour un jeune salarié débourser 7600 euros pour acheter une seule année de cotisation. Des trimestres toujours trop chers, c'est également ce que pensent les jeunes interrogés dans la rue. En entrant dans la vie active, les dépenses sont nombreuses et la retraite n'est pas une priorité pour eux. Déjà, je pense que 1000 euros, c'est un peu de la blague. Je me dis, c'est pas vraiment suffisant pour un étudiant. Ouais, ça serait bien pour les personnes, pour les jeunes diplômés, pour les jeunes actifs qui ont le capital nécessaire. Pour le moment, j'ai 24 ans et ça fait pas partie de mes préoccupations premières. Là, j'ai réussi à avoir un boulot après 3 ans de chômage partiel. Donc maintenant, les objectifs, c'est d'avoir un appartement, d'avoir une famille. Pas une priorité pour les jeunes donc. Eric Woerth, le rapporteur de la réforme des retraites de 2010, estime pour sa part que la mesure n'est pas inintéressante, mais pose un problème de financement. S'il faut faciliter la reprise de quelques trimestres à un moment donné, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'était possible, mais ça coûtait très cher. Ce que je veux quand même dire, c'est que c'est pas une bonne façon de prendre le sujet. Le gouvernement, il avait à affronter, comme nous avons eu à affronter, un déficit du régime des retraites. Donc il était censé chercher des économies. Alors, il a cherché des économies et il a trouvé de nouvelles dépenses. Des dépenses supplémentaires qui, au vu du faible intérêt des jeunes, pourraient en définitive être très limitées.